On n'a aucun compte à rendre, à demander au juge. Ce qu'il fait est bon, c'est parfait. C'est lui qui sait à quoi il doit aboutir. Après tout, toutes les questions que nous posons, toutes les requêtes que nous introduisons, c'est à lui de les répondre. Tout est recensé. Donc quand il nous dit que tel ne doit pas passer avant tel, je crois que c'est à dessein, parce que tout est raccommodé, c'est comme des wagons. Quand un wagon a lâché, je crois que le compte rendu au port minéralier est imparfait. Vous faites allusion au cas Djenabo. Exactement. Je crois qu'elle a des comptes à rendre, elle a des documents à produire. Je ne dis pas que c'est à cause de ça que le tribunal me pardonne s'il m'écoute, mais nous ne savons pas pourquoi nous observons et nous acceptons. C'est fait, c'est parfait et c'est sans recours. Elle aurait comparu et puis les débats allaient continuer dans la mesure où elle nous a produit son identité. Donc, nous avons sa pièce d'identité, nous avons déjà préparé tous les clés à distribuer entre les différentes parties du tribunal, mais malheureusement, ce renvoi est intervenu soudainement.